amigos me dijeron que estaban aprendiendo a correr skate, que en otro, allá en otro lugar allá, estaban, habían puesto una rampa. En fait, cet endroit est créé et construit pour des enfants. Le grand problème, c'est que des enfants, ils n'ont pas d'endroit pour jouer. Comme il n'y a rien, il n'y a presque rien ici, il y a 13 ans, il y a eu des énormes inondations. Il y a plein de gens qui sont venus ici, mais il n'y avait rien. Seulement du sable. Et tout le monde a construit leur petite maison. Et puis après, c'est grâce à Otrakosa Network, un ONG britannique qui travaille ici. Qui a construit cet endroit et c'est grâce à eux qu'on a cet endroit maintenant et que les enfants peuvent venir ici et jouer, se développer et faire du skateboard, quoi. Se libran de la droga los niños porque prefieren estar acá que metiéndose esas porquerías, tomando. Donc, le but maintenant, c'est d'améliorer encore le skatepark. C'est grâce à Otrakosa et Will Hansen, le volontaire avant nous, que cette parc a été construit. Donc notre but maintenant, c'est de créer un endroit encore plus durable, encore meilleur pour les enfants et continuer le skate, quoi. Encore meilleur, encore plus durable, plus de skate, plus de chaussures. C'est très important que les enfants savent être des enfants, qu'ils jouent à un endroit sain et sauf, qu'ils ont un endroit pour se développer, parce que là, ils ont presque rien. Et je crois qu'un sport comme le skateboard et un endroit comme cela est très important pour la vie des enfants et pour leur futur. Après qu'ils partent ici, qu'ils sont plus âgés, qu'ils doivent aller travailler, ils ont le skateboard pour leur sortir des trucs qui ne sont pas OK, quoi. Donc là, on essaye de les expliquer les valeurs qui sont importantes. Des trucs très simples, on dit « por favor » quand on demande l'eau. Des trucs très simples, mais après, c'est important dans la vie des enfants qu'ils apprennent des morales un tout petit peu à côté du skateboard. Donc je trouve que c'est très important, ce parc est très important pour les enfants.